Salut les copains Facebook, salut les copains YouTube, les youtubeurs, youtubeuses et mes jolies kiquettes mon cœur, bienvenue dans une émission de Filet Tongo et des kiquettes spéciales culture geek. Je suis ravi de vous voir enfin pour faire un vrai sujet de côté bénévole quand je veux parler ma passion. Si vous aimez le matin en tout cas, vous cliquez Filet Tongo, justement vous regardez la vidéo et vous cliquez le pouce à gauche. Non, pas à droite, à gauche, je vous dis ici, là, voilà, c'est là, vous cliquez ici le petit pouce et vous abonnez, et c'est 100% bon, gratuit. Allez, au sommaire, aujourd'hui, on va parler justement des atouts jeux vidéo, on va parler aussi NATO Token, hein, euh, on dit NATO Token, c'est Ken, somme de l'enfer. les Allemands, et justement, pourquoi on va parler ça Parce qu'aujourd'hui, on va parler plutôt Geek. Que je vous donne les conseils de sujet de le rétro DVD, que ce soit dessin animé, que ce soit le film et que ce soit aussi des films qui sont moyens-moyens mais qui sont pas mal quand même. Alors on va commencer tout de suite évidemment. Euh, et voilà, on va commencer un sujet qu'on va vous parler de notre dessin animé de notre enfance. Vous savez depuis le à 2 et puis Club Dorothée. Les mangas est arrivé vers le début des années 80. Parce que vous savez qu'à l'époque, vers les années 60, évidemment, on ne connaissait pas les mangas. Nous, on avait. Non, ça met. les petits. Voilà, les nounours, euh, chapu-chapeau, la ménage enchantée. On avait. On avait qui encore On avait. Les deux enfants. Ah oui, il faut pas oublier les deux enfants. Télé le, le chat. Hein À demain, si vous voulez bien. Voilà, c'est. Euh, Sortez les achats évidemment. Mais aussi, il y avait, évidemment, de vers bien début des années 80 et vers les fins des années 70, on peut dire entre 78 et début 80, Dorothée et ses amis, que ce soit Dorothée, Jacqueline, Ariane, Corbier, et bien sûr, Patrice Simpson-Jones, qui est arrivé un peu plus tard dans les années 80, et il y avait Cabu aussi. Rappelez-vous, sur Antenne 2, hein, évidemment, il y avait une émission qui s'appelle Chaque mercredi après-midi. Avant le Club Dorothée, chaque mercredi après-midi, il y avait justement Récré, rad, récré à 2 sur Antenne 2. Le tout premier dessin animé qu'on a été voir, qui nous a fait découvert justement, il y a eu aussi Cobra, il y a eu évidemment Abator, il y a eu 31, mais Goldorak, en tout cas, c'était le vrai sujet de dessin animé. Pour la première fois, Goldorak est arrivé, il a été créé au Japon, évidemment, en 1975, qui était arrivé en dessin animé. Chez nous en France, c'est arrivé en 1978. Godorak, alias Megazor Z, évidemment, c'est des jeunes pilotes, c'est des robots galactiques, il y a un robot des terriens qui doit battre, évidemment, contre les intérêts qui s'appellent, évidemment, Vega. Vega va terrasser, justement, la planète Terre, qui s'appelle la planète bleue, et le prince Euphor qui s'appelle Atarus, doit protéger les humains, mais qui devient le fermier le plus idiot. Et bien sûr, évidemment, puissant si beau gosse évidemment, mais après il devient le héros solitaire, évidemment Goldorak avec évidemment accord et bien sûr Phoenicia. Goldorak en tout cas, c'est le plus gros sujet et c'est le plus beau dessin animé. Je vous rappelle que donc, euh, je vous rappelle évidemment Alias Goldorak en français mais Alias en japonais Megazord Z évidemment était un des plus connu de dessin au départ c'était un des connus des mangas qui est arrivé en dessin animé en 1975 par évidemment le grand maître évidemment le grand maître Jigen évidemment c'est lui qui a créé évidemment la série de God justement à propos de ça il y a eu six saisons en total plus un film animation qui sont très beaux à voir et bien sûr pourquoi ils sont très beaux à voir parce évidemment parce que le dessin animé est Très beau, sombre, mais triste à la fois. La sans-fiction pure, évidemment, pour la première fois, c'est la première fois que nous, en France, on voit un robot, un robot géant qui veut sauver la planète Terre pour protéger les enfants. Le manga est tellement pur, il est tellement beau et le texte est magnifique, mais la musique est tellement triste à la fois et bien sûr sombre. En génie en français, évidemment, il y avait Noam, il y avait évidemment Yannick Patrick, il y avait aussi Oliver Stone qui chante, évidemment, il y avait Stone Olivier, évidemment, il y avait Peter, non, c'est Peter Stone, excusez-moi, c'est pas Oliver Stone, c'est Peter Stone qui chantait « Besoin de rien, envie de toi » qui était numéro 1 au top 50 en France. Il a chanté euh, là-haut, là là-haut dans l'espace, évidemment, « Atarus » et surtout, il y avait… Un chanteur qui a chanté, évidemment, qui s'appelle Erike. Macias. Mais non, pas mathias Robert. Il y a un qui s'appelle Erike. Macias, d'accord. Euh, ça, c'est le chanteur. Mais moi, je parle d'Erike, évidemment, le chanteur de Godorak, évidemment. Mais attention, il faut dire carrément que lui a chanté en français, comme d'habitude. Mais c'est le premier chanteur français qui a chanté le générique de début et la fin de Goldorak en japonais parce qu'il y a la voix il y a la, la voix de justement de ténor et la voix de ténor justement là il y avait la voix de ce nom pas la voix de ténor c'est une voix de soprano et lui c'est le premier chanteur qu'a chanté évidemment en japonais et ensuite il y a eu bien sûr notre ami, notre chanteur préféré de notre enfance qui s'appelle minet qui était un membre des Musclés justement à propos de Club Dorothée les mangas est arrivé justement vers début des années 80. Et oui, c'est annoncé justement que c'était les années 80, évidemment, qui est arrivé. Au début, en France, on ne connaissait pas qu ce que c'était les mangas. C'est à partir de découvert à propos, de, à propos après Récréa 2 que le Club Dorothée était né en 87 et s'est arrêté, évidemment, en 97. Pour la première fois, il y a eu, il y a les vrais mangas qui est arrivé vers les années 80, que ce soit les mini pouces que ce soit Ulysses 31, Jess, le concurrent de la lumière, Mask, évidemment, que Max n'est pas un manga, c'était un froco américain Mais le vrai manga, le vrai sujet, c'était à propos de Club Dorothée avec Sensia, et bien sûr, Dragon Ball, et bien sûr, évidemment, Nato uh, Ken, de ce moment, Ken. Alors Nato Ken évidemment Ken Survivant est né bien sûr par les mangas évidemment vers au début des années 80. C'est arrivé en 83 et 84 on va dire mais il est arrivé en 84. Mais plutôt vers les années 80. Mais c'est plutôt 83. Enfin bref. vous voyez. Par contre le manga le dessin des séries animées est arrivé justement en 84 justement. Sauf qu'évidemment, que le ce dessin animé et le manga, ce n'était pas pour les enfants. C'était réservé pour les grands enfants, les grands, on peut dire le public plus, plus large. Qu que ça veut dire exactement entre 12, 16 et jusqu'à 18 ans Le dessin animé et le manga est très sombre, mais très violent à la fois. Sauf qu'évidemment, qu'on peut dire que c'est quand même un début. On peut dire d'une histoire et manga, que c'est la première fois qu'on transfère un manga qui était aussi violent. Évidemment, à propos de ça. Justement, qu évidemment, que le dessin animé est vraiment fun. Et justement, la Totoken, évidemment, c'était vraiment bien. Mais la version française, par contre, c'est pas terrible. Hein? Hein? Et ça, je vous raconte juste après, Ni news, des atouts, des 100% geeks. Alors, à tout de suite, mes amis. Et à tout de suite, mes jolies geekettes, mes jolis cœurs. Et à tout de suite, des youtubeurs, mes youtubeuses, mes amis de YouTube et Facebook.